La réponse du président de la République, c'était « Banco, on y va ». C'est que mon interpellation à l'adresse du président de la République consistait à lui dire « Aujourd'hui, je ne vois pas d'ambition du gouvernement pour les Outre-mer de manière générale et particulièrement pour La Réunion ». Et je lui ai dit « Compte tenu de la situation catastrophique du chômage à La Réunion, il existe un dispositif national qui n'a pas encore été mis en œuvre chez nous, qui s'appelle Territoire zéro chômeur. Et donc je lui ai dit, mobilisons tout de suite des crédits sur ce dispositif, nous en avons besoin. Il a fait ses preuves dans d'autres territoires nationaux. Et donc, compte tenu du niveau de chômage à La Réunion, allons mobiliser les crédits là-dessus. Sa réponse a été, allons-y, faites des appels à projets, je vous soutiendrai. Donc je retiens là une capacité, une porte qui s'ouvre et surtout des perspectives d'emploi et d'activité pour de nombreux chômeurs au port, mais aussi sur tout le territoire de La Réunion, parce que mon propos ne s'adressait pas uniquement pour les portoirs.